La courante est une danse au rythme ternaire qui occupe une place de choix dans les fameuses suites instrumentales baroques. Comme vous pouvez l'entendre, les gammes descendantes et ascendantes en double croche sont la particularité de cette courante de Händel. Il est important de les considérer comme un vrai élément thématique. La première note de chaque gamme est une croche, elle est donc plus appuyée et plus longue que les autres. Pour accentuer le caractère dansant, jouez les noirs et les croches non legato, à la main droite comme à la main gauche. Dans la deuxième partie, certaines gammes commencent à présent par des noirs, d'autres sont entièrement en double croche. Dans ce cas, il ne faut pas attendre entre l'accord de la main gauche et le début de la gamme. Respectez scrupuleusement ces valeurs pour ne pas altérer le rythme. Noir, double croche, noir. À partir de la mesure 16, les gammes s'enchaînent comme un tourbillon. N'attendez pas entre l'accord de la main gauche et le début de la gamme. Respectez les crescendo, notamment la progression jusqu'à la mesure 14. Et repartez à nouveau piano mesure 17.